Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. On essaye donc aujourd'hui la Peugeot 2008. C'est pas un nouveau modèle, c'est la 2008 restylée. Alors pourquoi restylée? Il faut savoir que Peugeot, au niveau des ventes, c'est la troisième meilleure vente de la marque, derrière évidemment la 208 et la 308. Et Peugeot a voulu donner à son SUV un look plus 4x4 pour séduire une clientèle plus friande justement du fameux look baroudeur. Comme le marché se densifie très vite, Peugeot a voulu réagir en changeant du style de break surélevé, donner un peu plus de muscle et un design résolument affirmé 4x4. Notamment au niveau des ailes, on le voit bien, un petit peu plus bombé pour donner un look un peu plus baroudeur. La calandre, magnifique calandre d'ailleurs. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir par contre qu'à l'intérieur, pas beaucoup de grands changements. Il n'y avait pas vraiment besoin en même temps. Les gens aiment bien cet intérieur qui nous fait penser évidemment à la 208. Allez, on y va. Nous voilà donc à l'intérieur de cette Peugeot 2008. Comme je vous disais, pas de grands changements, c'est très sobre. On a l'écran tactile central qui s'occupe de tout. On n'a rien d'autre à faire, tout est là. On a aussi quelques commandes au volant. La voiture est très très simple d'utilisation. Le fameux volant, le petit volant sorti sur la 208 qui est vraiment super agréable, on l'a bien en main, une bonne prise en main. Et ce volant aussi vous procure beaucoup d'agilité en termes de conduite. Dès que vous entamez quelques virages, eh bien croyez-moi, c'est très très sympa. Ensuite, en termes d'habitabilité, c'est une voiture qui est très agréable. Il y a de la place au niveau des places arrière. Rien à redire. Il faut savoir qu'au niveau de la malle, on passe de 400 à 1400 litres. C'est quand même pas négligeable non plus. C'est l'une des seules voitures de la gamme à vous proposer un plancher plat. Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on parte tout de suite à Las Vegas, au circuit, essayer une voiture assez sympathique, la Lamborghini Huracan LP 610. Ça va envoyer du bois. Nous voilà donc à Las Vegas, un petit peu frais, avec la Lamborghini Huracan. Alors, je sais, la Spider est sortie en 2016, mais franchement, celle-là, même si elle est sortie en 2014, elle est vraiment très très belle et on avait envie de la faire pour vous. Allez, on y va. Bon, déjà, sa plastique impressionne pas mal, avec son style qui alterne entre des parties très acérées avec des angles un peu plus doux. Il me convient de vous dire que là, j'ai vraiment les yeux qui brillent. Le nez et le châssis sont au ras du sol, à tel point qu'il existe même une option qui permet de lever l'avant de la voiture à l'approche d'un ralentisseur. À l'intérieur, on découvre un univers particulier, une console centrale façon aviation, qui ne sont pas sans nous rappeler la fameuse Aventador. Avec des commutateurs imposants et un bouton de démarrage abrité sous un couvercle rouge, comme si on allait mettre le feu à un missile, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Les sièges offrent un maintien idéal et sont en partie réglables électriquement. Alors pour vous dire, j'ai jamais été très très fan de Lamborghini parce que j'estime que c'est des voitures vraiment radicales et on n'a aucune visibilité dedans. C'est très compact, très serré et très difficile à conduire, je trouve. Ça, c'était pour la Gallardo. Aujourd'hui, sa remplaçante, la Huracan, est franchement beaucoup mieux évoluée. L'avantage de cette Lamborghini Huracan comparé à la Gallardo, c'est que l'on peut très bien rouler en douceur et au calme, mais on peut aussi faire parler la poudre quand nous sommes sur un circuit comme ici. Et ce son, mais quel son! On peut changer de mode au volant avec le mode Strada, Sport ou Corsa. Alors Corsa, c'est la totale. On développe tout, on ouvre tout et on s'éclate. Alors cette petite LP 610, comme son nom l'indique, fait 610 chevaux. C'est un moteur 5 litres 2,
V10 à injection directe. On a une boîte automatique séquentielle à double embrayage de 7 rapports. Pour la petite info, de 0 à 100 en 3 secondes 2. Le 0 à 200, beaucoup moins bien que la Ferrari 488 GTB qui, elle, le faisait en 8 secondes 3. Celle-là, elle le fait en 9 secondes 9. Et croyez-moi, c'est déjà pas mal. La tenue de route a été améliorée. On est en 4 roues motrices. Donc croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Alors il faudra une très très longue ligne droite pour vous montrer la vitesse de pointe de cette Lamborghini, mais elle peut aller jusqu'à 325 km/h, c'est quand même impressionnant. Alors là je suis en mode strada, on roule tranquille, on est sur une consommation donc de 12 litres au 100. Mais si je descends sur le mode sport et le mode Corsa, comme je viens de le faire, déjà c'est pas la même, on va monter jusqu'à 44 litres au 100. Alors j'arrête pas de dire cette petite depuis tout à l'heure, il faut savoir qu'elle fait quand même 4,38 m de long et 1,90 m de large et son petit poids est de 1 tonne 420, ça va. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me ferais bien un petit peu plaisir, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On rentre dans la ligne droite. Wouhou ! Géant ! Magnifique. Freinage ? Ah ouais. Sortie de banquise, accélération. Waouh, 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 waouh. Je disais qu'au début j'étais pas très très Lamborghini et franchement ils sont vraiment améliorés. La visibilité reste toujours aussi chaotique, on n'y voit rien dans cette voiture. J'ai vraiment bien aimé cet essai, j'ai bien aimé cette voiture, elle est super. On va retourner à Tahiti, au chaud, parce que là il fait un peu frais quand même. Alors, sympathique hein, cette petite Lamborghini. Hein. Waouh, moi je serais bien resté là-bas. Bon, il faisait un peu froid. Allez, on va continuer avec cette Peugeot 2008. Côté performance, le 0 à 100 se fait en 10 secondes 3 pour une vitesse maxi de 188 km/h. Son réservoir contient 50 litres pour une consommation mixte établie ici à 4,8 litres et 5,9 litres en cycle urbain. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en boîte automatique. Côté motorisation, nous disposons du moteur 1,2 litre PureTech de 110 chevaux. Alors ne vous y trompez pas, hein. Il est plus puissant, il a plus de couple que l'ancienne motorisation 1,6 litre qui était proposée à l'époque. Et il faut savoir que ce moteur PureTech a été élu meilleur moteur pendant 2 années de suite. C'est pas négligeable. Alors il est muni d'un petit turbo, c'est un 3 cylindres atmosphérique à injection directe et franchement, il a du couple. C'est un très très bon moteur. Peugeot vous propose un prix d'entrée de gamme de 3 390 000 francs ici. L'ensemble est de bonne facture et dégage, je trouve, une belle impression de qualité. Très agréable à conduire car finalement, le 2008 est l'un des meilleurs élèves du marché en termes de qualité perçue, d'espace à bord et de modularité. Allez, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va se faire un petit buzz. Ouais, allez, tout ce qui se passe sur la toile, c'est maintenant dans 0 à 100. Stop it!
time and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look away, the yoga meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything we're fearing. Can't stop the spirit. La Tesla Model S P100D possède l'une des accélérations les plus rapides du monde pour une voiture électrique de série. Elle affiche le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 3. Mais pour Elon Musk, ce n'est pas assez. Ils ont donc décidé de booster encore plus les performances en allégeant la voiture. Pour ce faire, ils ont supprimé la majeure partie des éléments de l'habitacle tout en réajustant les suspensions. Résultat, la Tesla Model S P100D GT pour ce coup peut désormais atteindre le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 1. Franchement, je vous invite à venir essayer cette 2008 parce qu'elle est vraiment très très souple, très agile, très agréable, surtout bah, agile avec ce volant, je le redirai jamais assez. Et elle a vraiment du couple, elle marche très bien, je suis très étonné. De 0 à 100, c'est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h15, toujours sur TNTV. En attendant, vous pouvez revoir l'émission sur le TNTV Replay et aussi Facebook pour vos commentaires et vos suggestions. Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche prochain.